Nous allons continuer avec notre projet pour voir comment modéliser le plancher à corps creux. Lorsque nous avons présenté les charges, nous avons pris en compte un poids du plancher à corps creux qui était de 2,70 kg par kN par mètre carré. Alors, nous avons déjà réévalué le poids de notre plancher à corps creux. Donc, nous allons tout simplement ajouter quelque chose de support qui va replier cette charge-là et qui va aller repartir sur les éléments porteurs de cette structure. Pour cela, donc, nous allons utiliser le bardage. Nous revenons sur projection, comme ceci. Nous allons rentrer au niveau du RDC. Ok. Nous allons d'abord commencer par supprimer cette poutre-là. Ok. Nous allons laisser uniquement la longue ligne. La longue ligne, ok. Ok, comme ceci. Et ensuite, nous allons revenir ici sur structure. Nous allons prendre bardage. Étant donné que le plancher à corps creux comporte des poutres qui portent suivant la plus petite dimension, là, nous avons la plus petite dimension suivant l'axe des X. Je vais venir ici et reprendre la direction X. Je vais sélectionner un contour rectangulaire, tout simplement. Et nous allons modéliser nos bardages comme ceci. Et voilà notre premier bardage avec le sens de répartition des charges. Là, c'est bon. Je vais fermer ceci. Je vais revenir en vue. Ok. Je vais revenir au niveau du rez-de-chaussée. Je vais faire un clic droit, étage. Copier le contenu de l'étage. Au-dessus, combien de fois? 4 fois.
Je vais faire OK. Et nous allons patienter. Et là, nous avons copié le contenu du RDC, du RDC pour les autres étages suivants. Et à ce niveau, OK, nous allons devoir rajouter un édicule à ce niveau pour l'accès à la terrasse. Alors, ceci fera l'objet d'une prochaine vidéo. Nous allons finir cette vidéo en analysant encore, en vérifiant notre structure. Bon, nous n'avons pas d'erreur fermée. Nous allons continuer ceci à la suite dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi. Partagez, likez et laissez vos commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose. Et ça nous fera plaisir de répondre à vos préoccupations. Merci, au revoir.